Aiden Scouting Network, Scouting Platform and Global Data Analyst. Ryan Ferraoui. Ce ballon avec Aymen Souda qui trouve côté gauche à Ryan Ferraoui. Le centre de Ferraoui, deuxième poteau pour Bana. Égalisation. Il y aura Ryan Ferraoui. Regardez le bon dédoublement sur ce côté droit. Ferraoui qui va prendre l'axe et qui va décaler. Et bien Souda là, fait l'extérieur pied droit. Oh, Souda qui va prendre l'axe. Et ça permet au FC74 de revenir hein, partout et de croire à une victoire avec Ferraoui. Ferraoui qui va décaler. Le but et le but. Possible, hein. On va chercher Cerber, un schéma qui fonctionne bien, bien joué ça. Pour faire oui, allez, le ballon pour Ryan Ferraoui. Et le but, et le troisième but. Fameuse message dont on parlait, attention, mais Ryan Ferraoui qui va pouvoir profiter finalement de cette victoire. Ryan Ferraoui, il va réussir à perforer le centre. Oh là là, il manque pas grand chose. Oh, il manque quoi? Il manque quelques centimètres. Dégagé par Yono. La récupération justement du numéro 10 du FC7 qui va essayer de contourner. Qui a bien servi Temanfo là dans l'intervalle. Pierret le retour qui va mettre son corps. Les Cholet, a priori. On va suivre cette première situation. Et Ryan Ferraoui, est-ce qu'il va essayer de prendre sa chance? Ouais, il va prendre sa chance. Ouais. Ferraoui. Et la première très grosse occasion et la grosse parade d'Anthony Mancini. Premier corner de cette rencontre, il est pour les Sétois. On va jouer en deux temps, c'est bien joué ça, ce petit crochet. Il a réussi à perforer la frappe. Ouais. Oh là là là, la première très. Vous dire notamment que c'est le deuxième quart d'heure le plus prolifique pour le Red Star depuis le début de cette saison. Ferraoui là qui fait des différences. Ferraoui qui rentre global data analyst. Ryan Ferraoui. Professional highlights. Oh,
Ryan Ferraoui. Podium, c'est l'objectif qui a été déclaré en début de saison. C'est dommage, il arrive à appuyer son ballon là avec le terrain humide. Si ça sort du pied plus fort dans la cour de récré en fin de match, c'est évidemment la même chose en national. Et le ballon pris de la tête, c'était par Ferraoui. Le dégagement de Jason Guyon. Scouting Network.